Au départ, mon intention, c'était d'être réalisateur au départ. Je voulais faire de la réalisation. Enfin, j'aimais beaucoup l'écriture, j'écrivais des sujets, j'écrivais un court-métrage. Et j'avais vraiment envie de fiction. Quand j'ai touché au documentaire, j'étais très emballé parce que dans le documentaire, c'est vrai que c'est là sûrement où j'ai découvert le montage. Tout est possible puisque rien n'est écrit avant, donc on construit le film au montage. Donc c'est là où j'ai accroché au montage, mais en même temps, ça ne me satisfaisait pas complètement le documentaire parce que c'était des sujets, tout était établi, quoi. Il fallait rendre compte du mieux possible d'une histoire existante, enfin, qui était un truc vivant, quoi. C'était pas inventé, quoi, dans le documentaire, vraiment. On inventait juste le style, enfin, la façon de faire, quoi, c'est tout. Mais le reste, c'était du domaine. C'est pas du rêve, quoi. C'est des choses existantes. Donc, il me manquait la part rêve, sûrement, dans le documentaire. C'est pour ça que la fiction m'intéressait beaucoup plus, quoi. Je trouvais qu'il y avait une liberté beaucoup plus grande. J'ai énormément monté de courts-métrages au début. Vraiment des. Enfin, les tout débuts, c'était plus des films comment ça s'appelle? Des espèces de documentaires avec des stock shots, avec des documents d'actualité. Donc c'était pour Gaumont Télévision, c'était des choses avec des réalisateurs comme Jean Aurel, enfin des gens qui étaient un peu des gens installés. C'était vraiment pour moi un apprentissage, plus qu'une passion, enfin par rapport au sujet et tout ça, c'était pas passionnant, quoi. Mais j'apprenais beaucoup de choses, un peu par moi-même. Et puis après, j'ai vraiment découvert la fiction avec les courts-métrages. J'ai monté énormément de courts-métrages avec des réalisateurs comme Olivier Assayas ou. Je sais pas, Bertrand Van Effanter, enfin plein de gens qui étaient des jeunes cinéastes qui débutaient. C'était vraiment intéressant parce qu'il y avait une grande, grande liberté dans le court-métrage par rapport au long-métrage. Il y a quelque chose de très personnel, de pas du tout. Il n'y a aucun enjeu commercial. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut selon les moyens qu'on arrive à rassembler. On peut aller dans toutes les directions et ça permet vraiment d'avoir une liberté en termes de cinéma qui est très appréciable. Enfin, vraiment. Et surtout, comme il n'y avait pas d'enjeu commercial, je faisais ça vraiment complètement à l'œil, on prenait le temps qu'on voulait. On pouvait monter un court-métrage pendant 6 semaines, 8 semaines. Le tout, c'était le résultat qui comptait, c'était que ce soit bien et qu'on fasse un truc bien. Donc ça a été pour moi une école fantastique, vraiment. Le premier long-métrage, après, ça a été un peu plus compliqué, parce que le tout premier que j'ai monté, c'était La ville bidon, Jacques Baratier. Jacques, c'était un cinéaste à l'époque qui avait déjà 65 ans, qui avait été un peu marginal de la nouvelle vague, qui était plutôt côté Saint-Germain-des-Prés, et qui était très fantaisiste, quoi, qui avait pas du tout de rigueur, pas du tout. Il allait dans toutes les directions. Mais c'est très intéressant de travailler avec lui parce qu'il y avait aussi toujours cette espèce de liberté. Et la narration, le récit était très flou. J'aimais beaucoup ça, moi. C'était vraiment le cinéma que j'aimais à l'époque. C'était un cinéma qui était très exposé, pas très narratif, quoi. Mes cinéastes préférés, c'était Antonioni, c'était des gens comme ça, quoi. Ce qui fait que ça me correspondait tout à fait. Après, je suis rentré dans un cinéma vraiment commercial et installé que tardivement, vers 30 ans. La première rencontre vraiment importante dans ma vie, ça a été Henri Langlois, qui était le directeur de la Cinémathèque française, que j'ai été voir pour faire une école, qu'il me fasse une lettre pour une bourse pour une école aux États-Unis. Et il m'a dit que c'était vraiment inutile de faire une école de cinéma quand on voulait être réalisateur et qu'il n'y avait pas d'école pour être écrivain, mais que j'apprendrais beaucoup en travaillant à la Cinémathèque française avec lui. Donc j'ai travaillé avec lui pendant un an. J'ai assisté à ses cours. Il y avait des cours de cinéma à la Cinémathèque, dans la salle de la Cinémathèque, pour les étudiants de Nanterre. C'était un truc qui était très passionnant en termes de montage, parce que sa façon de faire le cours, c'est de parler un quart d'heure et ensuite de projeter des bobines de films, de 20 films différents, les unes à la suite des autres. C'était comme un montage de séquences qui racontait tout ce qu'il avait. Il avait fait une introduction et la démonstration se faisait par des films et par du montage, ce qui était absolument fabuleux. Quand j'ai rencontré Polanski pour Tess, j'ai remonté Tess, la version américaine, pour l'Amérique, et ça a été vraiment une rencontre. All in the family. If they was in need, I should take them in without a word. We all have to take the ups with the downs, Tess. Now, you must go and see her and ask her for some help in our trouble. If the lady received me at all, it would be enough if she were friendly.
You must not expect her to help us. Oh, come, come, my dear. With your pretty face, you could coax her into anything. I'd rather try to get work. Durbeyfield, you decide. If you say she must go, she'll go. Well, girl, do you want to go visiting this grand kinswoman of ours? I'd much sooner not, Father. There, she don't want to. I don't like my children making themselves beholden with strange kin. I'm the head of the noblest branch of the family, and I got my pride to lay down. All this bragging about your ancestors. Tout de suite, il m'a proposé Pirates, qui était un film énorme. J'avais 30 ans à l'époque et il n'y avait aucun monteur français de cet âge-là qui montait des gros films comme ça. Et du coup, ça a déclenché Claude Berry qui avait produit Tess, qui a dit « Mais qui c'est ce type? Je veux travailler avec lui. » Enfin bon. Et je me suis retrouvé dans un cinéma qui était très très installé, très commercial. Claude Berry, c'était complètement l'antithèse de ce que j'avais fait jusque-là. Ça ne m'a pas déplu parce que je trouvais que c'était intéressant de se colter à ce genre de discours, à un cinéma très populaire et quelquefois même, voire très râlé-pâquerette, quoi. Mais en même temps, c'était aussi un autre discours, et c'était vraiment une espèce de respect du spectateur, de voir ce que les gens aimaient voir et ce qui marchait, quoi. Ça m'a appris beaucoup dans ce domaine-là. Ça doit t'étonner depuis si longtemps que je ne sois jamais rencontré dans la montagne. C'est parce que maintenant, j'ai plus le temps de chasser. C'est à cause des œillets. Tu le savais que j'avais fait des plantations d'œillets? Alors figure-toi que j'ai très bien réussi. J'ai gagné de l'argent, beaucoup d'argent. Et tout cet argent est en pièces d'or bien cachées. Dans 2 ans, avec mes économies, ça me fera au moins 50 000 francs. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te ferait plaisir de revenir habiter au Romarin? Moi, j'habiterai ma petite maison de Massacan. Et toi, avec Baptistine, vous auriez l'œil sur les œillets. Mais Manon, écoute-moi! Je sais bien pourquoi tu veux pas. Tu veux pas parce que tu es fier. Mais pour la fierté, ça peut bien s'arranger. Les œillets, il faut les arroser, il faut les cueillir. Et ça, les femmes savent le faire. Je vous payerai. Mon grand intérêt, c'était plus Polanski, évidemment, avec tout ce que je pouvais voir avec lui. Sur Pirates, c'était un film où j'ai appris énormément de choses. On a eu beaucoup de temps, parce qu'il a mis du temps à faire Pirates. Après Tess, il s'est passé pas mal de temps avant qu'on retravaille ensemble. Mais ça a été très, très passionnant et très fructueux, je trouve. C'était vraiment le début d'une grande collaboration, une grande amitié, quoi. Vraiment, on s'entend très très bien. Vraiment, c'est un maître, quoi. Il a une façon, il a une dimension complètement pédagogique, quoi. C'est un vrai pédagogue, quoi. Il explique, et à tous les techniciens, il sait expliquer pourquoi on fait une chose, pourquoi ça marche bien comme ça et pas autrement. Je vois quand il explique, par exemple, aux gens qui font les effets spéciaux, pourquoi leur effet ne marche pas, parce que la perspective est de traviole, parce que c'est comme ça, comme si. Il a toujours une explication extrêmement logique et intelligente, et les gens, c'est pas juste mon goût contre ton goût. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus senti. C'est pour ça qu'on apprend énormément de choses avec lui. Le pianiste, c'était un film très dur à monter et passionnant à monter. Il y avait un vrai travail sur la durée. Il fallait vraiment trouver comment rendre compte émotionnellement de la durée, du fait qu'un homme peut passer 4 mois tout seul enfermé dans un appartement. Ça, c'est pas du cinéma comme ça. Il faut inventer des choses. Et il y avait un travail de recherche et qui était un travail de... très très difficile parce que c'était pas évident, quoi, du tout, et donc fallait chercher beaucoup. Ça, c'est des souvenirs de montage à la fois très durs et très passionnants. Bon, il y a eu d'autres rencontres, il y a eu Piala. Bon, Piala, c'était le Garçu, c'était phénoménal parce qu'il y avait, c'était
pratiquement pas de scénario, quoi. C'était vraiment du montage pur, quoi. Vraiment, sur des séquences comme ça, on pouvait tout chambouler dans n'importe quel sens. C'était quelqu'un avec qui c'était extrêmement dur de travailler, mais qui en même temps avait un instinct fabuleux, quoi. Et on apprenait énormément de choses. Et puis René, ça c'est quelque chose de rigueur, une espèce de chose un peu mathématique et magnifique, quoi. Ça s'enclenche et ça marche très bien, quoi. On est émerveillé sans arrêt, quoi. Alors ? Quoi ? Qu'est-ce que vous en dites ? De quoi ? Ben, de l'appartement. Ah. Ben, il est bien. Non, mais il est très bien. As-tu les baisers dans le cou ? Sacrable ! Les caresses un peu partout. Au nom de Dieu ! Les papous ! Sommes atourés ! Les grappous ! Oui. Et le reste, ma grande fille. Aimez-vous un homme fou ? Ça dépend. Absolument fou de vous. Et comment ? Je n'en peux plus. Moi non plus. Je suis foutu. Qu'attends-tu ? Mais le reste... Et bien plus qu'on est d'accord. Prends mes yeux, mes bras, mon corps. Et même plus encore, et ne pensons plus qu'à nous. Les hommes s'en foutent. De Pléchin, ça c'était quelque chose aussi de très très instinctif et très, comment dire, très intense, extrêmement intense, quoi. On travaille vraiment sur des sentiments, des trucs à fleur de peau, tout, c'est passionnant. She lives with us, so she has to snatch herself a soul, like monkeys do. They might look like little people, but they know they're not, so they try to be. And that's why they're always aping up. Marish a pop, what is with them? Esther was very angry. She said to herself that she would be more careful in future not to show. Chaque metteur en scène est différent et chaque collaboration avec un metteur en scène est un plaisir différent. C'est ça qui est riche dans ce métier, c'est que... Et c'est ça, surtout peut-être dans le choix d'une carrière, c'est peut-être ça qu'on privilégie, c'est des metteurs en scène qui apportent des choses différentes et on s'enrichit complètement, quoi. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est que c'est différent tout le temps. C'est la curiosité qui me fait continuer dans ce métier. J'aimerais pas faire tous les jours la même chose. J'aime pas appliquer des recettes en même temps. Y a rien de plus ennuyeux, quoi. Si je m'ennuie, j'ai envie de me barrer d'un film, quoi. C'est sûr.